de passer à l'autre couleur, ce que je vais faire, c'est que je nettoie mon pinceau mélangeur que j'ai utilisé tout à l'heure. Et je viens estomper les bords. Ensuite, je prends un pinceau plat de précision comme ça. Et j'ai appliqué cette magnifique couleur Blitz. C'est vraiment une couleur or limite 18 carats quoi. Donc je viens l'appliquer en fait au niveau de au milieu de ma paupière. En fait, l'astuce que j'ai, c'est de regarder droit devant moi et en fait d'appliquer la couleur juste au niveau de mon œil en fait, au niveau de mon iris. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand je me regarde comme ça, attendez, je mets mon miroir en face. Quand je me regarde en fait, je dois appliquer la couleur à partir d'ici jusqu'ici. Voilà. Donc je vais y aller. Voilà, comme ça et ici jusque là à peu près. Donc j'ai pris mes marques et maintenant j'applique la couleur. Elle est trop belle. Franchement, elle est sublime. Sublimissime. Donc, une fois que j'ai appliqué la couleur au milieu, avec le reste de matière qui me reste au niveau du pinceau, je viens un peu en tapoter en extérieur, en fait, histoire en fait qu'il n'y ait pas de démarcation trop visible. Vous voyez? Juste à la limite, en fait, de la couleur or, sans trop déborder non plus. Donc je vais faire la même chose au niveau de la paupière inférieure, au même niveau comme ça, et là comme ça, et je comble. En tapotant, sinon je m'en mets plein les yeux. Vous voyez? Comme ça. Et voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le pinceau mélangeur qui vient avec cette palette et j'ai emprunté un tout petit peu de la couleur muse en fait qui se trouve ici. Un tout petit peu, pourquoi? Parce que c'est un marron qui va me permettre en fait de créer une sorte de dégradé des couleurs au niveau de ma paupière immobile. Mais comme c'est un marron irisé, mieux vaut que j'en prenne un peu vu que j'ai des paupières tombantes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'en applique un tout petit peu, juste histoire en fait d'avoir de quoi extomper tout ça et de quoi créer une belle nuance. Voilà. Un tout petit peu, j'en prends un tout petit peu à chaque fois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer au eyeliner. Ensuite au crayon noir et au... Alors ça y est, j'ai appliqué mes faux cils, mon concealer et à présent j'applique mon blush et j'opte pour le Fanberry 749 de chez CIC, hein, que j'adore. Il se présente comme ça et donc je l'applique mais vraiment finement au niveau de mes joues parce que je ne veux pas qu'elle soit chargée, mais je veux juste qu'elle soit légèrement coloré, donc je n'applique pas beaucoup hein. C'est juste histoire de structurer un peu mon visage et voilà. Donc je ne mets ni luminizer, rien du tout, rien d'irisé sur le visage. Je laisse vraiment le blush faire son petit travail et voilà, c'est tout. Quelque chose de vraiment léger. Ensuite au niveau des lèvres, je vais opter pour ce nouveau rouge à lèvres que j'ai acheté chez CIC. C'est le Fantasy, le 7701, qui se présente comme ça. C'est vraiment un rouge à lèvres plutôt marron et donc je l'applique sur toute ma joue, enfin toute ma joue, sur toutes mes lèvres. Voilà, il se voit pas du tout hein. Voilà, de toute façon, je vous ferai une vidéo dessus sur les rouges à lèvres de chez ELF, de la gamme à 1€. Donc voilà ce que ça donne en fait sur mes lèvres.
Et je serais tentée de les laisser comme ça en fait, vraiment simple, 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 simple. Mais bon, laissez-moi voir. Ouais, je pourrais les laisser comme ça, tranquille, quoi. Vraiment quelque chose de léger au niveau des lèvres, vu que le visage est déjà chargé. Donc voilà ce que donne ce maquillage avec la palette, la Vice Palette de chez Urban Decay. Donc je zoome un tout petit peu pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas j'aime bien. C'est quelque chose de structuré sans l'être, quelque chose de fumeux sans l'être complètement. Donc voilà, j'aime bien ce mélange. J'aurais pu faire en fait un cat eye ici, vous voyez, faire une bonne virgule ici, mais je trouve que ça ferait trop, vous voyez ce que je veux dire. Donc déjà que le maquillage est chargé en lui-même, j'ai pas du tout envie d'en faire trop. J'aurais vraiment que ce soit un bon maquillage de soirée, voilà, tranquille, qui passe partout. Et donc voilà, bah écoutez, c'est une idée des maquillages qu'on peut réaliser avec la Vice Palette et une idée des maquillages qu'on peut réaliser pour les soirées des fêtes qui arrivent. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je fais de gros bisous, on se retrouve plus tard pour la vidéo de mes achats ELF. J'ai acheté ces blushs, voilà, ces cream blush HD. Et j'ai acheté des rouges à lèvres de la gamme à 1 €. Plein d'autres choses en fait. Je vais aussi vous faire une revue sur mes pinceaux Real Technique. Donc franchement, restez connectés sur ma chaîne parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et donc je fais de gros bisous les filles. On se dit à plus tard. Ciao!